mèche. Merde. Ah, y'a un requin. Attends, faut que je change mes touches. Faut que je change mes touches. Oh, mais putain, j'ai acheté un truc. Mon carton. Qu'est-ce que t'as acheté? Mon carton. Galia, reviens. Le requin. Le carton. Mais avant de nous voir une dernière fois naviguer en mer, laissez-moi vous parler de notre sponsor, Raid Shadow Legends, le jeu mobile du moment. Un RPG en tour par tour avec plus de 650 champions à collectionner, des combats ultra complets, des graphismes n'enviant rien au AAA du moment, et même des boss bien vénères que tu peux affronter en multijoueur. Ça va être compliqué pour moi, j'ai pas de potes. Tu peux tenter d'en trouver parmi les 400 millions de joueurs. Avec eux, tu peux entrer dans l'une des 15 factions, conquérir un des 12 donjons, ou débattre de tes persos préférés avec eux. Perso mes héros, c'est Teshada, Kalia et Maeve. Sur la vie de ma mère, elles sont trop fraîches. Enfin bon, je dis ça à moi, mais j'ai même pas de PC pour y jouer à ton jeu. Pas de soucis, Raid Shadow Legends est dispo sur mobile, joue n'importe où. Voilà, dinguerie. Y'a même Hashtag Knight, un bête de champion épique ainsi qu'un de ses skins. C'est pas tout, le légendaire Sun Wukong, l'aspiration de Son Goku, est aussi disponible pour les nouveaux joueurs. Et ce n'est pas le seul bonus. Si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Raid, qu'attendez-vous? Utilisez le lien dans la description ou scannez ce QR code pour obtenir des bonus incroyables. Je vais me contenter de ramasser les machins dans la mer, tu vas crafter. Hein. Prends-moi ce tonneau là-bas, prends-moi ce tonneau là. Alors là, alors là. Tu peux le faire, Kiki. Kéké! Kéké! Ah! À gauche! Petit bâtard! Arrête ça! Lâche ça! Lâche ça! Ah! Attends, j'ai récupéré un petit peu de truc là. Attention au requin, Kéké. J'ai pas peur de lui, j'ai lance, j'ai lance. J'ai peur! Regarde, il y a une raie! Alors, elle, on peut la bouffer? Bah, certainement, j'imagine. J'y vais. Le requin, Kéké! T'inquiète. J'ai pas peur de lui. J'ai peur de lui! Attends, merde, il est où le bateau? Le bateau! C'est bon, j'arrive, il m'a croqué les jambes, ce fils de pute! Tu touches pas, c'est Réo! J'ai mal! Je t'ai mis un coup de lance à sa place, je crois. Essaye d'aller sur la plage là-bas, tu vois les bambous là? Wesh! C'est Réo! Papa! On va sur les bambous ici! Oui, les bambous ici! Ah! On va se cracher! C'est pas grave! J'envoie l'encre! C'est bon, l'encre est envoyée! Ok, on va passer par là! Oh putain! Faisons le point! Je vais nous faire des outils! Papa, je m'en vais! Ok! Papa, j'ai faim! Ça s'en peut plus! J'ai la dalle! C'est un vrai enfant, j'adore! Ta mère la pute, viens là, affronte mon regard! Papa, j'ai du plastique. C'est bien mon fils. Excuse-moi, papa, il est en train de se battre contre un truc qui fait deux fois sa taille. Papa, j'ai retiré l'encre. Ouais, c'est bien mon fils. J'ai retiré l'encre. Attends, quoi? Non. Non, ça t'a un prank. Oh, les pastèques, ça donne pas de bouffe. Oh putain. Sérieux? C'est... Zut, ça, comment tu vas faire? J'essaye de tuer le requin parce que là, et vraiment, il a plus de points de vie. Hein. Alors là, bâtard! Viens ici! J'ai plus de vie! On est les prédateurs, c'est pas lui! La faune est la flore, je m'en fous! Viens ici! Oh là, il est là! Je tape! On tape! Merde. Il se sent menacé! Là, je suis dans mon habitat naturel là! On le termine, viens ici! Je t'en viens! On l'a eu! Petit bolos! Vas-y, on peut le looter! Tête de requin, j'ai eu! Tu peux te l'équiper, mec! Papa, je suis beau! Papa! T'es incroyable, mon fils! Papa, je dors! Papa, je fais la sieste, je suis fatigué! Réveille-moi quand on est arrivé! Y'a un plastique aussi dans le. Si t'en as besoin dans le coffre. D'accord. Tu dors encore? Je fais une petite sieste. Oh, le jour où se lève, mon fils! Regarde le ray tracing dans l'eau là-bas! Papa, j'ai 1060. J'ai une question maintenant qu'on est tous les deux sur un bateau. Regarde-moi, s'il te plaît, mon fils. Il danse avec la tête d'orquin. Mon fils, c'est vrai que t'as pépon Lohan? Non? Tu me dis pas ça pour me faire plaisir. Hein. C'est bien. Tu mens! Je sais que tu mens! C'est maman qui me l'a dit! Là! La mouette! Elle a essayé de bouffer nos patates! Oh la salope! Alors ça se mange. Hein. Alors ça, je connais. Oh les oisillons comme ça se mange. Mange ta viande histoire que je puisse mettre une autre viande parce que je meurs là. Je meurs, fils. J'ai plus de viande. Oh putain, on est dans la merde. Je vais mourir, fils. Fils, je suis maman. J'ai besoin de. J'ai faim, fils. Bâtard! Une baleine! Mon gars! Où ça? Oh l'encule! Viens ici! Toi, je te bouffe! À l'aide! J'ai pas réussi à tuer la baleine! Mais du coup, les gens qui font de l'homéopathie, comment ils peuvent croire à l'homéopathie et derrière boire de l'eau dans laquelle ton daron achète dedans? Alors attends, on va répondre à ça, mais d'abord, je sais pas si t'as vu, il y a une belle île là-bas. Oh, en vrai, tu peux peut-être coincer le bateau! Regarde, là, il y a un récif. Ça commence à ressembler à quelque chose, mon fils, hein. On va pouvoir commencer à faire un second étage. Hein. Je te fais cuire un poisson. Il attaque! Ce bâtard! Non! L'établi! Putain, mais je savais, je l'avais dit! Il va falloir que tu pagues pour réussir à nous sortir de ce truc où on est, par contre. Ok.
J'ai pas dû m'apaguer. On va s'en sortir. On peut faire dodo. Ouais, après avoir dormi. Bon, écoute, c'est toi le chef, tu me casses les couilles, tu prends la pagaie. J'en ai marre. Ok, mais dans ce cas-là, tu fais un truc pour moi, tu pêches un petit peu. Non, je mange la pastèque. Kéké, t'es très fort au grappin. Est-ce que tu peux me choper la boîte qui est là-bas, s'il te plaît? Pas très fort au grappin, non. Alors la boîte est trop loin, malheureusement. Oh bah tu sais quoi, je suis trop con, c'est moi qui ai la pagaie, tu vas pas pouvoir venir vers moi. Ah, en plus c'est derrière toi là, alors là. Esquive! Vas-y papa, tu peux le faire! Oh putain, fais une encre. Oh, y'a un radeau là-bas. Les planches pour le poisson. Il y a un radeau abandonné, fils. Pour faire que le poisson, il faut une petite planche. Fils. Oh, sa mère. Tu es revenu? Je suis revenu, mon fils. Il y a une autre établie là-bas. Bon, allez, c'est à mon tour. Papa, j'y vais. Attends, je rigole pas avec toi. On rigole pas ensemble. Je peux faire. Ah, vas-y, Francky. Où est la caisse? Elle est là. Oh putain de merde, il fait mal. J'ai plein de trucs. Encore deux morceaux. Il va me tuer. Encore un coup, je suis mort. C'est la fin. Ne meurs pas. Esquive-le, fils. Il arrive. Viens vers là, je suis là. Il arrive. Fils de pute. Je n'ai plus rien. Il y a une île. T'as une pagaie ou pas? Non, du tout. Je peux faire une hache en plus. Oh putain, oui. Non, faut qu'on est sur l'île. J'ai la pagaie. J'ai la hache. On la met dans quel sens, la voile? Aucune idée. Ah, parce que tu peux la faire là? Elle est là. On a une voile. J'ai pas l'impression que la voile nous rapproche de l'île en fait, bizarrement. Ah, il y a une île immense. En face, elle est immense. Oh, mais l'île, elle est colossale. Elle est titanesque. Hein. Oh le dindon. Alors toi. Il me prend pour un con, lui. Hein. Oh le dindon. Viens ici. Je le tape dessus, mais il est trop rapide. Il est trop vif. Mbappé. Je vais péter un plomb. Il est invincible. Ah, enfin, il est mort. Bâtard. Petit bolos, là. Se battre avec un dindon. Ça a donné de la viande au moins? Non. Non, sérieux? Non, là, je suis en train de dire que je l'ai tué pour rien. Non, les gars, il y a forcément moyen de dépecer le dindon, s'il vous plaît. Je mets des coups dans son cadavre. Peut-être que ça va faire de la viande. Bon, le corps est encore chaud. J'ai cassé ma lance dessus, je pète un plomb. Et une coco, une. Ah mais c'est bon, là les gars, on fait le tour de l'île. Sérieux, c'est la force tranquille comparé à Kélian. Ah mais Kélian, il est là pour niquer sa mère au dindon. Hein. Ah mais, en fait, les amis, vous comprenez pas, c'est que SK, quand il fait le guignol en stream, c'est parce qu'il hoste pas le stream en fait, ça vous comprenez pas. Pensez vraiment que j'aurais coursé un dindon pendant une demi-heure s'il était en train. Ah, y'a un rhinocéros! Y'a un sanglier! Wesh! Ah! Il vient de me charger! Ça revient! Wesh! Il est immense! Mec, attends, je vais poser notre stuff. C'est le pire plan, je vais poser notre stuff avant de faire quoi que ce soit. On ne part pas de cette île tant que le rhino n'est pas mort. Ah, c'est bon, j'arrive. J'emmène avec moi. Oh! Ouais, j'ai fait mal! Oh, il vient de me foncer dessus! Faut juste que je fasse une lance. Arme, lance en bois. J'ai fait une lance! Alors, toi maintenant, écoute-moi bien. Putain, t'as voulu me taper là? C'est un rhinocéros ou c'est un zèbre ton truc là? Oh! Ok, il fonce, d'accord, il charge. Il fait très mal. Wesh, tu lui montes dessus? Non, il me chope. Ah, je vais y aller. Je le tape, j'ai tué. Il est mort, bien joué. Wesh, y'a un vautour. Wesh, il balance des cailloux. Il balance des pierres, l'enfoiré. Il m'a acheté une grenade. C'est quoi ça? Oh, y'a un Bambi. Wesh, y'a un Bambi, mais viens ici. Viens. Mais wesh, bon, l'aim sur ce jeu elle est buggée. Oh, y'a une baraque. Comment ça y'a une baraque, y'a une maison en haut. Wesh, y'a une caisse enregistreuse. Comptoir d'échange avec un appoint. Putain de vautour de merde. Oh putain, on peut acheter plein de trucs. Corne à bruse, armoire, boussole. Il arrive à la maison. Ça arrive où? Bon allez, tiens, avant tout mon ami. Alors là t'es dans l'eau. Avant tout mon ami, mange ça. J'ai tombé. Mange tout. Ah merci mec. Mange tout. Du coup j'ai un crochet en métal, ça change quoi? Alors ça, il tiendra plus longtemps de souvenirs. C'est nul. On a appris à faire des guirlandes, incroyable. Regarde Kéké, c'est magique. Je suis très fier de toi, Sario. Bravo, tu as beaucoup de talent, Sario. J'ai fait des guirlandes, papa. Alors, par où on va aller? Attends, mais honnêtement, je fais pas la trio actuellement. Fils de... Tout va bien? Ouais. Are you bobo? Ouais. Ah mais attends, mais il bouffe là. Un bâtard. Lâche ça, bâtard. Oh, le fils de pute. Le filet de récupération. Ok, Sario, c'est un grand jour, viens ici. Alors, il va falloir qu'on mette un peu plus de place à terme. Mais du coup, on peut enfin faire que notre poisson-chat. Enfin, on peut faire que le poisson-chat, quel bonheur. Tac, 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 mon poisson-chat. C'est mon poisson-chat. C'est mon poisson-chat que j'ai payé avec le RSA de mes parents. Il me faut 3 planches. Oh, il y a une île. Ouais, c'est pour ça que j'ai orienté vers là-bas. Alors, par contre, ouais, j'ai orienté comme un... Baleine. Waouh. Elle a fait pchout. Sario. Ouais. Viens avec moi. Hop, c'est bon. Je vais pouvoir placer ça. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une surprise. Ok, une petite surprise, j'apprécie. J'ai pas de place pour une surprise. Tu veux que je vire un truc pour la surprise? Bah, je peux la mettre ici en vrai, il y a une protection là, non? Oh putain, j'ai soif. Justement. Oh maman! Putain, tu peux en mettre plein! Oh, c'est si bien! Kéké, regarde dehors. Ouh,
Ouh, nice. Je vais essayer de nous mettre Yimbe. Oh putain, on a appris à faire une antenne, une batterie basique, un récepteur, une centrifugeuse et un système d'arrosage. Le système d'arrosage, je prends. Alors, hop, on va faire cuire de l'algue. Et laisse-moi diriger le navire avec une petite musique de Wind Waker là que j'ai dans les oreilles. Attends, j'entends des bruits là. Wesh, il y a des mouettes. Attends, elles indiquent une direction. Bah oui, c'est une île. Oh, mais let's go. Ah, j'ai jamais été autant rassuré d'entendre un bruit, bordel de merde. Les albatros. T'as parlé comme Renaud. Les albatros des navires. Ça. C'est dommage qu'on puisse pas réparer les outils. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles. T'as plus rien sur l'île? Normalement, ouais. Ok. Hop, je lève l'ancre. Mais non! Mais qui... Je pensais que c'était pour réparer. Il a essayé de réparer un putain de navire à la hache. J'ai baissé l'ancre, mais regarde, il y a une île qui approche. Tu vas peut-être pouvoir trouver un truc sympa. Alors, est-ce qu'il y a des trucs amusants? Des fleurs à manguiller. De l'arbre. Un ananas! Deux ananas. What the fuck? Faut bien que tu prépares. C'est déjà prêt? Ce plat n'a pas eu le succès escompté. Je vais le boire. C'est de la merde. Oh, l'île de fou. Attends, quoi? Où ça? Wesh. Bon. Attends, je m'oriente vers là-bas. Je suis en train de m'empresser de faire un lance-filet. Pour capturer des animaux? Pour ne plus avoir à battre pendant une heure ce fils de pute de dindon. On approche de l'île. Je vais devoir pagayer un peu, malheureusement. Ouais, par contre, l'île est incroyable. Hein. Comment qu'on va se mettre bien? Je vais récupérer un tout petit peu de bois. Ah, mais il y a aucun arbre. Je crois vraiment que c'est l'île où on est venu. Non, déjà. Non, j'en récupère. Aïe! Vautour! Aïe, enculé. J'ai acheté un caillou. Mec, j'ai retrouvé un rhino. J'ai une lance en fer, tu veux que je vienne? Bah, pourquoi pas. Oh non, il m'a vu! Putain, j'ai glissé, chef! Alors lui, je vais le démarrer. Vas-y, viens, je t'attends. C'est pas Pumba, c'est un Pokémon, ça je vous connais. Il y a mille fois pire que ça. L'immersion était réelle. Ok, c'est bon, je récupère. Oh, il y a un Bambi. J'ai tué un dindon, je te tuerai toi, hein, je te préviens. J'ai cassé ma lance. Bon bah t'as de la chance, Bambi. Un arc, alors je vais me faire un arc, Sario. Pour un arc, il me faut 2 substances visqueuses, 4 cordes, un boulon. Ah, c'est ça demande des choses, hein. Est-ce que tu peux m'envoyer 6 planches, s'il te plaît, Sario? Bien sûr. 5, 6. Normalement, t'as tes 6 planches. Nickel, alors j'ai mon arc. Incroyable. Tac, j'ai 12 flèches. Ok, bon. Les amis, ici Robinson Crusoe. Non, c'est Robin des Bois. Vous savez, les deux se ressemblent beaucoup quand même, hein. Alors, petit bâtard, on galère à prendre du caillou? Oh, je l'ai touché là, non? Oh là là, mais je suis trop fort. Oh, ça doit changer en Funcraft, hein. Putain de... J'ai plus que 4 flèches, mon bon. Où est-ce que t'es, sale vautour de merde? Comme une envie de tuer quelqu'un, apparemment. Ah, mais on va manger du vautour ce soir, hein, je te le dis, hein. Oh, je l'ai eu! Plus que 3 flèches. Oh là 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 là, mais wesh! Par contre, j'ai plus qu'une flèche, là, ça veut dire que... Bon. Ah. Mais wesh, il meurt jamais, il a pris 10 flèches! Bon, bah j'ai plus de flèches. Oh, j'ai une caisse. Oh, j'ai une caisse avec plein de trucs. Ok, donc c'est bien une autre île, Sario. Et je t'en prends, on peut les récupérer contre du piment, du curcuma, des recettes. Bon, je vais descendre parce que j'en peux plus de fils de pute. Je vais refaire des flèches et je vais l'enculer. Quand je serai de retour, j'aurai une tête de vautour sur le crâne. J'ai une hache, j'y retourne et je vais le buter. 12 flèches, normalement ça suffit là pour te démonter. Je crois que je l'ai eu, hein, je suis pas sûr. Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est pas mort, l'enfoiré. Il a fait le mort. Là, il a pris tellement de flèches, mes frères, il est invincible cet oiseau de merde. Oh, let's go. Oh, let's go, cette merde est morte. Oh oui, donne-moi des plumes. Un peu de bouffe. Oh, du pilon cru, let's go. Putain, enfin, j'en avais marre, hein, vraiment. Regarde, tu me vois ou pas? Oh putain, oui. Attends, tu peux la mettre pour que je voie? Ouais, je vais la mettre, t'inquiète. Ça ressemble à ça, t'es prêt? Blou-blou. C'est décevant. Pour faire des palmes, il en faut 5 de plus, ok. Le mec, il va se faire un équipement sous-marin, il va aller affronter le requin, il va faire ta mère. Prochaine cible de Kéké, la baleine. Ouais, oui. Oh, comment il est trop vif, cet enfoiré. J'ai l'honneur de te dire que notre ancre est protégée. Et ce fils de pute en profite pour attaquer la forge. Oh oui, non. Oh. Attends, alors, tiens. On va décaler. Voilà. Il attaque ce bâtard. Ah, vu que j'ai faim. Je lui ai mis une flèche en métal dans le dos. Le vautour, je le vois de loin là, je le vois ce petit bâtard. Quel lien chasseur de l'extrême. Alors là, les copains, ce fils de pute. On vient de se faire caillasser la gueule là. Oh, le fils de pute nous attaque à domicile. Il y a 6 bâtards. Je t'ai battu une fois, je t'ai pas très. Oh, elle est magnifique, Lila. Salut au cochon, toi. Oh, pouvez, vous êtes Pumba. Oh putain, il m'a fait mal. Oh putain, je vais mourir. J'arrive. Oh, purée de pommes de terre. C'est bon, il est mort. Bien joué, je récupère. Vas-y, vise-moi. Putain, je suis mort. Je veux que tu me récupères. Ah oui, t'as pas perdu de temps, toi. Heroes never die. J'ai dit, je veux que tu me récupères, tu m'as récupéré, quoi. Mais j'ai pété un plomb. Il m'a tué alors que je suis sous le toit. Mais c'est une blague. Ah là, ça va être dur. J'ai touché. Bien joué. Après, là, il récupère le caillou en 2 secondes. Oh, je l'ai touché. Bien joué.
Je vais récupérer ta flèche. C'est bon, j'ai ta flèche. Wesh. Oh, l'assistant de fou. T'es un Skyban Super Saiyan. Tiens. Hop. Merci Skyban. Mais je sais pas si c'est un compliment ou pas du coup. Oh, il a goûté. Oh oui, oh oui, let's go, lance métal. Vas-y. Let's go, il est mort. Let's go. Je crois qu'on a récupéré à peu près tout ce qu'il y avait à récupérer sur l'île. Ouais, on est bien. Je suis heureux, on a tellement de bois. On a 84 de bois dans le coffre. Alors, j'ai fabriqué des palmes, elles vont bien ou pas? Franchement, mec, t'as un style. Ok, faut faire des algues, ok. Tu veux faire quoi? Le circuit imprimé, la batterie basique pour qu'on avance en fait. Alors, j'ai fait la batterie. Nice. Tu l'as posée où? Bah, je peux pas la poser en fait. Ok, donc. Ah, il va falloir que tu me la donnes, ok, très bien. L'antenne dans la même hauteur du coup. Ok, et j'imagine que ça va ici. Activé. Waouh, viens voir! Trop proche du récepteur, antenne 1. Antenne 2, il faut 3 antennes! Attends, trop proche du récepteur. Ah, ok, non, c'est bon. Si je la mets là par exemple, attends, comment réagit le truc? Antenne 1, c'est bon. Ok. Ils l'ont vu à parfait, gauche. Parfait. C'est une grande île. On approche! Je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'affronter l'oiseau en ça. Vraiment, c'est pour avoir 3 pions de poulet en plus. Je lui ai mis des petits coups de lance, bon. Je suis contre Pumba. Je vais arrêter de me battre contre Pumba parce qu'il va me tuer. Hop. Ça c'est dans le coffre à bouffe. Non. Ni ta mère, putain, je suis mort. J'arrive. Des plumes, lingots de métal. Ok, bon, écoute-moi bien, petit fils de pute. Je viens de faire 24 flèches en métal. C'est pas pour discuter avec lui. Hein. Alors, mon arc est bientôt mort par contre. Où est-ce que t'es, petit bâton? Ici. J'ai tué l'oiseau. Alors, petit boulos. Alors, première antenne, on va voir si ça fonctionne. La batterie, on tourne. Antenne 3, bon, celle-là, ouais. C'est bon. What? Attends, what the fuck? 1180. Ok, c'est bon, je sais comment me repérer avec ça. Mec! C'est la plateforme de Sealand! Voilà, les amis, on est sur une dinguerie. Hein. Allons voir à quoi ressemble cette petite île. Oula. Ok, let's go. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh, récupérer des notes. Les semaines passent. Maintenant, je la dirai quand il y aura Sario au pire. Oh, attends, mais ça veut dire qu'il y a des humains? S'il y a une note. Attends, mais est-ce que je vais vraiment ne pas attendre Sario alors que ça, on est vraiment genre dans un truc de ouf comme ça, les gars? Je suis mort, Kéké, j'ai besoin d'aide. Quoi? Comment t'es mort? De faim. J'y suis pas allé parce qu'en fait, j'y suis allé, j'ai trouvé une note. Et je crois qu'il y a des humains sur l'île. Du coup, attends, je vais te lire la note. Les semaines passent. Nous sommes croisés sur cette plateforme. Owl et moi, Sparrow est parti avec un bateau. Je ne comprends pas. Tout le monde est si secret, je ne connais même pas leur vrai nom. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe de Selene avait un prototype fonctionnel et qu'il leur fallait des renforts. Les renforts, ça devait être nous. On devait trouver un moyen de s'en sortir tous ensemble, d'une manière ou d'une autre. Owl me crie quelque chose depuis la tour. La radio a peut-être détecté un signal. C'est toi, Sparrow, signé Kaku. Ok. Alors, je ne vois pas d'humain. Roby, le bateau est parti. Bruce en a après moi. Je vais devoir rester ici et trouver une façon de quitter cet endroit. Mike. J'ai trouvé une mallette! Nous sommes arrêtés pour la nuit. Oh là, escadé la tour. La radio a l'air de toujours marcher. Ça fait flipper hein, comme ambiance. Hein. Une note. Février, nous avons détecté plusieurs signaux. Peut-être quelqu'un va-t-il nous venir en aide. On ne meurt pas de faim pour l'instant. Le réacteur de Selene pourrait bien être notre seul champ face à cet océan infini. Tu le savais, Sparrow? Oui, pense que tu nous as trahis. Je veux croire que tu avais une bonne raison de partir sans nous. J'espère que tu parviendras jusqu'à Selene. J'espère que tu termineras le réacteur pour notre salut à tous. Nouveau personnage jouable. Oh, j'ai le plan du recycleur. Let's go. On est bien. Alors, les amis, on va spoiler un petit truc. Des îles comme celle-là, il y en a environ 8 à aller récupérer. Mais du coup, on a eu un recycleur et ça c'est beau. Alors comment il marche? Alors on a tellement de feuilles de palmier, je pense qu'on peut essayer d'en mettre dedans. Ok, bon, je mets plein de feuilles de palmier. Ouais, rien, il faut juste le remplir à max. Hein. Ah, récupère un cube de déchets. J'ai un cube de déchets du coup. Nickel, ok. Du coup, si on trouve une île avec un truc vert là, tu pourras faire un échange. Et bah, je te propose qu'on fasse ça maintenant. Il y en a une à 800 mètres. Et bah, go, vas-y. Bon, où est-ce qu'il est, ce oiseau de merde? Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est monter pour échanger mes ressources et pour buter ce oiseau de merde. Ah, je le vois, écoute, il est là. Putain, mais j'ai l'impression qu'il prend pas de dégâts, c'est quoi? Il a été bon. Les amis, on se souvient de comment on le bat. Et de une! C'est bon, regardez. Oh non. Alors, un seul suffira par pitié. Y'a Pumba et l'oiseau. Est-ce que les renforts peuvent venir avec un verre d'eau, s'il vous plaît? Le secours populaire arrive! Tiens. Ah, bah y'a Pumba. Allez, viens là, toi. Oh, bâtard! Lâche-le! Mais wesh! Je connais ta mécanique! Ah oui, tu reconnais bien. Ouais. Voilà, attends, je te laisse récupérer, donc tu pourras le faire cuire. Alors, j'ai 3 cubes de recyclage, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec? Oh, alors, appât à poisson basique pour 1 cube de récupération. On peut avoir un frigo, planche de surf, oh c'est excellent ça. J'ai acheté 3 appâts à poisson, en espérant que ça nous serve à l'avenir. Alors, bon, moi j'ai tenté de pêcher avec un appât du coup. Oh, carpe à pointe, carpédienne. Oh, ça c'est beauf. Recette, jus de betterave. Oh, mais putain, la marmite, ça peut avoir plusieurs effets. Ça peut augmenter la vie, ça peut augmenter ton endurance ou quoi. Oh, regarde notre magnifique voile, Kéké. On a des couleurs de merde hein, pour l'instant, je t'avoue. C'est les couleurs de Splatoon. Ouais. Je veux faire mon jus de betterave. Je place mon curcuma, mes 2 betteraves, ma noix de coco. Oh là 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 là, cette centrifugeuse. Elle est bonne, elle est belle, elle est délicieuse. Il est temps de boire ce jus de betterave, les amis. Allez, vas-y. À la tienne. À la tienne. Oh, la barre de vie.
très bon jus de betterave. Sario est pansexuel si je me rappelle bien. Pourquoi tu dis ça, Midoshi? Je sais pas, parce que tout à l'heure t'as dit que tu faisais des bips tout à l'heure. C'est une possibilité. Et après, c'est qu'une théorie, hein, t'sais, voilà, je sais pas non plus. J'ai pas dit chandis de oui, mais bon. Premier de. Sario est pansexuel. Excellent. D'après les théories, Sario adore sucer des teubs, mais il aime aussi les vagins, ce qui fait de lui un être bisexuel. Cependant, il préfère aimer ce que sont les personnes au fond. Est-ce que cela fait de lui quelqu'un de bizarre? Je ne sais pas. Sario, il y a des tonneaux là-bas. Sario attire le requin. Ok, j'arrive. Un instant, je suis un truc de gros. Je suis un case opening de BN. Ça marche pas très bien les flèches sous l'eau. Je recommande pas en tout cas. Je recommande pas. Approche! Il est très lourd. Approche loin. Ta mère! Je lui ai démonté sa grand-mère. Hein. Il vient vers toi maintenant. Le bâtard, il a fait un mi-tour. Un coup et je meurs, Sario. Je viens que tu. M'aide! Je veux que tu m'aides! Il est mort? Il est mort. Let's go. Je retourne au bateau. On va pouvoir faire un filet. J'ai un lance-filet. Let's go. Oh, pitié, oui. Capture-le. Après, attention, j'ai peur qu'il s'échappe si on va pas trop vite. Donc, attends que je finisse l'enclos, du coup. Putain, on dirige, je suis sur Doom. Il est là-bas, le bouc. Il est là-bas, regarde. Alors, attends, n'y a pas. Est-ce que tu peux pas t'approcher accroupi pour pas l'effrayer? Je l'ai eu. Oh, let's go. Renomme le cul. C'est vrai qu'on est déjà bits. Oh putain, on peut les renommer, tu penses? Ah oui, renommer l'animal, j'avais pas vu. Oh génial. Attends, je finis l'enclos, tu vas pouvoir l'installer. Je l'ai renommé cul. On va bien s'occuper de lui. C'est le bébou. Mon bébou à moi. Berlingo de lait. Où est-ce que je dépose cul? Ici, regarde, je t'ai fait un petit portillon. Bienvenue à la maison cul. Nous avons cul à bord, les amis. Mais attends, mais il y a vraiment cul autour de son nom. Cul. Je vais pouvoir très recul. Après, tu peux peut-être pas. Oh là là, tu m'as joui dessus. C'est vrai, t'as eu du lait? Ouais. J'ai mis un tapis à cul, tu m'en veux pas? C'est un petit. Augmentons les conditions de vie de notre cul. Alors là, on va goûter cette belle recette faite à base de jus de cul et de poisson fougou. Ah putain, je ne goûterai jamais ta nourriture. Buvons ce bouillon. Oh là 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 là. Kéké, je vois un truc. Kéké, je vois un truc. Je sais pas si c'est l'île. C'est pas une île, c'est un yacht, la prochaine zone. Ouais, non, ça va, bon, on s'est fait spoil 10 secondes. J'aurais quand même bien aimé qu'on nous le dise pas, quoi. Ouais, la même. J'aurais aimé le découvrir moi-même. Il doit y avoir un trou sous le bateau. Ah, mais y a pas besoin de trou. Déjà, on peut passer à l'avant, mais il me semble que j'ai vu un trou ici. Non, c'était ok, bon, y'a pas trop. Oh putain, c'est stylé. Oh, l'ambiance! Je perds une note. Vas-y, je la lis. J'ai entendu le capitaine dire que nous nous dirigions vers l'un des gratte-ciels du sud. J'espère sincèrement que tu vas reprendre tes esprits et nous suivre. Je savais très bien que cette ville était une cause perdue. Ruben, pourquoi es-tu toujours si obstiné? De Anne. Ah! Rat! Ouais, je sais pas, ouais, je sais quoi ce rat? Nécessite un coup de boulon, merde, on a pas ça. Vas-y, ouvre la porte, j'ai mon arc. Nécessite clé bleue. Clé rouge! C'est la clé bleue qu'il nous fallait, nous. Putain, avec mon boost de speed, comment c'est agréable. Ouais, attends-moi. Ruben, le yacht n'est pas prêt pour ce voyage. Avec son expérience militaire, je pensais qu'Olof serait quelqu'un de pragmatique. J'avais tort. Tout le monde se comporte comme si nous partions en croisière de luxe. Je suis désolé, Ruben, j'aurais pas dû te quitter. Anne. Oh mon dieu, tout ce qu'on a là, frère. Oh, toute cette ferraille. Ok, donc là, on va au coupe-boulon. Attention, il y a peut-être un truc qui va sortir. Non, c'est bon. Clé bleue. Le capitaine n'arrête pas de se plaindre quant à l'itinéraire. La prochaine fois, je vais devoir le réprimander. Eh bien non, je ne permettrai pas qu'il se mêle à mes invités de marque. Je permettrai encore moins qu'ils reçoivent des rations supplémentaires. Ils devraient m'être reconnaissants. Ils me doivent tous la vie. Ok, du coup, Olof, c'est le connard qui a fait que le bateau s'est crashé. Transcription. Anne, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne pouvez pas les renvoyer, nous sommes en pleine mer. Olaf, vous êtes là pour vous occuper des moteurs, Anne. Veuillez retourner à Rodeur. Aucunement enragé. Anne, encore un de ces fichus rats. À quoi vous jouez avec eux? Olaf, allez-vous-en. Vous avez du travail. Ok, donc Olaf est devenu fou et il s'amuse avec les rats. Nécessite un code numérique à 4 chiffres. Ok. C'est aussi argenté, ouais, ok. Ah, récupère le code à 4. J'ai le code. Ces rôdeurs ont du potentiel. Vas-y. Ce sont clairement d'anciens rats qui ont évolué vers une forme beaucoup plus dangereuse, plus intelligente aussi. Mon équipage de bras cassés sera bien. Fils de pute! Tu t'es fait aggro? Il m'avait trop peur, l'enculé. Clé verte! Il nous manque plus que la balle et on a. Ah, bah la bombe. Ok, c'est à ça que va servir la balle. À toi l'honneur. Wouah. Caverne d'Ali Baba, mon cher Sario. Alors, récupère pas les plans, je vais voir ce que c'est. Plan volant, let's go. Plan moteur. Oh, alors, on va avoir un moteur très rapidement. Par contre, pour le gouvernail, il faut 4 lagots de métal. Oh, on a pile ce qu'il faut. Ah, on a un moteur. Okay. Ouais, alors c'est très gros un moteur, Sario. Bah, on peut le mettre derrière là, on peut. Attends, vas-y, mets-le derrière pour que je vois à quoi ça ressemble et je m'adapterai. Je l'ai mis. C'est un beau bousin. Pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire un peu de pole dance contre le canapé, Kélian? Ouba, ouba. Ok, j'ai mis toutes les planches. Là, je peux changer la direction. Et là, je peux activer la machine. Oh, Sario. Oh, ça bouge. Un moteur. Wesh. Wesh, mais là, il est sida le moteur. Je crois que le bateau, il est trop grand, donc il faut plusieurs moteurs. Oh, bordel. Non, tu te fous de ma gueule. Notre deuxième moteur est prêt. Ah, attends, peut-être comme ça.
On active la machine. Ça tourne, ça tourne, Sario. Oh, let's go, putain. Alors attends, maintenant vite. L'île, elle est à au sud-ouest. Ok, vas-y, 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 vas-y. Ça va tellement vite. Ouais, t'as vu, c'est trop bien. 3, 2, 1, stop. Direction le sud. Oh, c'est une belle île, mon con. Elle est magnifique. Hein. Tout laisse à penser qu'il fallait arriver là. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est prévu par le jeu. Let's go. Bah, on fera la récup du bois quand on partira. Ouais, bon, il va falloir se... Je prépare l'arc. Par contre, Appelle le bête. Approche, approche. Tends ta mère. 5 Let's go, il faut tout récupérer. Il est mort, il est mort, il est mort. Bon, il était pas si dur à battre. Wesh, il y a une mer d'acide. Oh putain. Ah non, c'est pas de l'acide, c'est un produit radioactif. Je pense qu'il faut le faire quand même parce qu'il y a un jump. Oh bordel de haut, putain que oui, il monte et descend effectivement. Non mais c'est bon, moi j'ai réussi. Là, Ranger Station. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un raffineur de biocarburant. Mélange des aliments crus et du miel pour créer du biocarburant. Les stations relais 1, 3 sont activées. Oh regarde, des lucioles. Et un ours aussi. Oh l'enfoiré! Ah il m'a fait un screamer à moi aussi. Rendez-moi mon miel. Ouais, attends, t'inquiète pas. Attends, on est bon. Je te laisse ramasser parce que comme ça tu récupères tes flèches. C'est là-bas le bateau. Je vais te suivre. C'est-à-dire je vais te sucer. On peut. Ça ira. Je m'en sors bien pour l'instant. Kéké, regarde-moi. Kéké, regarde-moi. On est d'accord. Si je fume une fois, ça fait pas de moi un fumeur. Oui. Si je bois un verre d'alcool, ça fait pas de moi un alcoolique. Oui. Donc si tu me pépons une fois, c'est pégé. Bon allez. Ok oui, alors là pour le j'ai un ours en fait. J'arrive. Bon le mien je le démonte hein. Il est mort le mien. Il est pas mort du tout. Oh, je suis mort Sario, je vais mourir. Je finis le mien. Oh, foiré. Tu l'as eu? Non. Va un petit peu vers la droite. Je te vois, je te vois. Ok nickel. Mais comment tu vas faire? On sait pas où il est le lit. T'inquiète. Bon courage papa. Je serai ton héros. Ah, y'a un ours. Lâche mon fils. Courage papa. C'est bon il est mort, j'arrive fils. Désolé je t'ai un peu laissé dans la merde. Tiens bon fils, il est où le hamac? Repos des guerriers. J'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon filet, on peut y aller, Sario. J'ai soif. Tiens. Merci, bébou. J'ai plus d'eau. Oh, merde! Je te jure, je voulais boire deux fois, pas trois fois. C'est pas grave. Oh merde. Oh putain, on est dans la merde. Attends, t'inquiète pas, j'ai une idée. Non, arrête! Si, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh, comme ça, je te porte, c'est plus simple. On va trouver un lit. Ah non, mais nous, on fait les choses bien. Hein. J'ai pensé à tout, je suis trop fort. Tu m'as laissé dans l'eau là. Merde. Je lui dis bien que j'avais oublié un truc. Je lui dis bien que j'avais oublié quelque chose. Je pense qu'on est bon déjà là, c'est bon, on a dormi. Faut juste que t'aies ta bouteille d'eau. Ouais, je suis en train de la remplir et puis on peut y aller. Putain, on est au 58ème jour de survie. Attends, wesh. Y'a un vélo. What the fuck? Utilisé. Ah, t'as pris la chaîne. Bon, allez, viens. On a eu un succès. Bah écoute, petite historique. J'espère que t'as ta lampe, j'ai plus la mine, elle est presque morte. C'est, en fait, la bêtise qu'on a faite, c'est qu'on a. À chaque fois, on restait sur les chemins. On montait pas en hauteur, en fait. J'ai une orientation de merde, hein, je te laisse tout faire. Hein. Ok, suis-moi. Il nous faut encore le marteau et la clé de serrage de Bruno. Putain, j'ai plus d'armes. Oui, mais justement, c'est mieux pour nous, je trouve. Parce que tu casses les couilles à vouloir affronter tout et n'importe quoi en fait. C'est toi qui parles. Tu veux qu'on revoie tous les premiers épisodes où tu te fais tous les vautours de chaque île? Le dadon, viens ici. Ah enfin il est mort. Bâtard. Tu veux un dadon, je te tuerai toi, hein, je te préviens. Oh let's go, cette merde est morte. Oh là 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 là. Ah mais je lui mets de ses flèches. Viens ici petit bâtard. Oh les oisillons comme ça, oh, ça se mange hein. Mais c'est différent, moi j'ai besoin de les tuer. Il y a un plan, let's go, pour une machette. Vas-y ouvre. Ça marche? Mec, je vois pas d'évolution, ça m'inquiète. Ah putain, okay. J'ai peur. Ça m'a fait peur moi aussi. J'ai flippé. Trop bien, un champignon. Père a pris sa décision depuis longtemps. Il part chercher notre tati. Miranda vient avec nous, bien sûr. Je n'ai pas vu Errol de la nuit. J'ai interrogé Miranda et Henri, mais ils refusent de me dire quoi que ce soit. Ils l'ont bouffé? C'est possible. Oh, la clé de Bruno. J'ai pris ma décision. Oh, y'a un humain. Il m'a fait peur, cet enculé. C'est Johnny. Il faut allumer. Mais attends, mais c'est vraiment Johnny. Mec, viens voir son visage. Eh vous, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, si c'est pas trop demandé. Il faut allumer le feu, Kélian. Ok, donc 2 stations sur 3 sont activées. Coup pour la station 4, c'est la dernière qui nous reste. Est-ce que vous pouvez nous donner un indice pour y aller, s'il vous plaît? Peut-être qu'on peut y aller depuis là, en fait. Tu veux qu'on essaye? Allez, essayons. Je suis à la Relay Station 4, moi. Je suis en train de suivre les panneaux, essayer de voir... Oh. J'imagine qu'il faut qu'on trouve un truc, genre un grappin ou je sais pas quoi, pour choper le... Non, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être juste monter par l'autre côté. Ok. Mec, imagine, il faut tirer avec une flèche dessus. Non, c'est impossible. J'y crois pas. Une seule seconde. Attends, on va analyser. Vas-y, je te laisse anal. Non. Il y a des gens dans le chat qui arrêtent pas de dire lancer pierre sur manivelle. Mais on peut pas lancer de cailloux. On n'a pas lancé de cailloux, mais... Info wiki, c'est avec une pierre, une flèche ou crochet sur le levier. Donc c'était vraiment les trois. Donc il fallait juste lancer un projectile. Mais comment ça, hein, une pierre? On peut lancer des pierres? Je vais essayer. Ah oui, on peut. Non, mais... Toutes mes excuses, le chat. Oh putain, mais le pire c'est que du coup le crochet et la flèche fonctionnaient aussi, donc
En fait, toutes nos théories fonctionnaient, mais on n'en a testé aucune. Je vais pas attendre que les choses cuisent ou quoi, je vais direct me tailler, comme ça on le fait. Si ça marche, ça marche. Ok. Je vais me prendre dans la gueule. Le pont ? Oui, je vais me prendre le pont dans la gueule. Station 4, j'ai le marteau de Bruno. J'arrive à la Ranger Station. Ah, alors attends, on a des nouvelles coordonnées, du coup c'est fini. Genre le nouveau code ? Vas-y, vas-y. Ok, alors le prochain code c'est 2, 3, 4, 1. 1. Alors la prochaine île elle est à 1920 mètres au nord-ouest. Mec, il y a un caillou. Bah on peut la visiter maintenant au pire. Mec, il y a un vélo. Note. Je m'appelle Sanjay. Je crois que j'ai un problème. Deto a bricolé une combinaison de plongée avec un vélo et un vieux casque. Il y a un nouveau en ville, un certain Olof machin truc. Papa va à toutes ses réunions, mais les enfants ne sont pas invités. Oh non, Mickey Mouse! J'ai convaincu Sanjay de m'aider à m'infiltrer son bateau. Je pensais qu'il y aurait peut-être des médicaments pour maman. Son bateau est plein de cages. Dans les cages, il y a des gros rats. Oh non, c'est le retour! Ils étaient vraiment énervés. Sanjay a trouvé des notes sur comment les nourrir et les entraîner à devenir une armée. Ouais, mais ils sont tous cons dans ce jeu, hein! Pense qu'Olof n'est pas quelqu'un de bien, mais c'est Olof qui est passé là! Ah l'enculé! Putain, partout où il va, il crie la merde! Discours aux marins. C'est Olof! Pourquoi pensez-vous que j'ai quitté cette ville corrompue? Moi, Olof Wiskorn. Parce qu'il refusait de laisser la classe ouvrière monter à bord. J'étais catastrophé. Laissez-moi rentrer dans mon bateau! Ma personne est sacrée! Bon, il est où le dindon? Mon dindon, ah, il est là. Je l'ai eu! J'ai un dindon! Comment on l'appelle? Couille! D'accord, kéké. Je t'attends pour placer la poudre ou j'ai la place? J'arrive. Ok, vas-y, mets la poudre. Ok. Wesh. Attends, ça va vers le navire là. Ça va vers. Oh, ça aurait été trop drôle. Attends, y'a un mec dedans! Y'a un mec en parachute, regarde là-haut! Ah oui! Il aurait fait exploser le navire, ça aurait été hilarant. Oh, attends, quoi? Caisse, non, quoi. C'est pas un mec! C'est des pièces, c'est la pièce de tyrolienne. Wesh! Y'a un problème là, regarde, viens. J'ai ramassé le Major Tom. Quoi? Je le mets à côté de la table de nuit. Vas-y. C'est ça, on a vu tomber. Il est incroyable. Et j'ai ramassé une pièce de tyrolienne du coup. Il nous en manque plus qu'une du coup, ça veut dire. J'ai trouvé la pompe! J'ai un plan pour une poulie et j'ai un plan pour une tyrolienne. Par contre, j'ai la poulie, mais j'ai pas la tyrolienne, je crois. Si. Oh putain, on va pas faire une tyrolienne dans le navire, ouais. Je suis sur l'île, je t'attends. Fou, donc j'ai pas de bouffe. Nique ta mère! Comment t'es moche! C'est des cochons? Les fameux cochons! Mais non, ils sont malades! Regarde! Ok, d'accord. Oh, culé! Ils sont violents, Kéké. Ils sont violents. Allez vous faire foutre, je veux les abeilles, moi. C'est bon. Ah, ah, ah. T'as besoin d'aide? Oui, je vais mourir là. Et du coup, est-ce qu'on essaierait pas de tuer un de ces cochons de tes morts là? Le débug pas, je t'en supplie. Donc toi tu te dis il y a un cochon buggé, je vais l'attaquer par derrière. Wesh. Bah lui il est buggé jusqu'au bout lui. Hein. Bon, j'en ai marre de cet oiseau, c'est bon frère. Oui, il me casse les couilles. J'ai trouvé la clé du coffre du maire. Dans la tour il doit y avoir un coffre et avec la clé on est tranquille. En fait elle est crochée de tout le monde et si je dis pas de conneries, bah je dis de la merde, il y a pas de coffre ici. Alors attends, par contre Kéké, j'ai une bonne nouvelle. Alors certes on a le plan du détecteur de métaux, mais tu sais ce qu'on a comme plan? Le poste de contrôle permet de contrôler tous les moteurs depuis un seul endroit. Oh non mec, c'est trop bien. Mec, chargeur de batterie, putain insane. Mec, c'est trop bien. Oui mais d'accord, faut aller où maintenant? Parce que ça nous aide pas ça. Bah y'a pas un plan hein, ou... Oh enfin... mais putain, on a déjà le code pour aller ailleurs. Je vais mourir. Genre là en fait on joue juste pour un chargeur de batterie. Bon c'est déjà bien. En vrai ça m'aurait fait chier de partir sans l'avoir. Oh non, non pas un fougou. Arrête monsieur, arrête. Kéké, je risque de mourir parce qu'il y a le requin. Non, s'il te t'inquiète plaît. Pas, t'es un bon. J'ai plus de vie, je suis affamé. Alors attends. Ok Sarum, est-ce que tu vois dans le ciel ce qu'il y a? Est-ce que tu viens de faire une putain de fusée éclairée? Oh regarde. Kéké, je viens de mourir. Okay, attends, est-ce que tu vois dans le ciel? Non, je vois le sol là, Kéké. Du coup, le code c'est 1252. La prochaine île est à 2000 mètres au nord-ouest. 350 mètres avant l'arrivée. Port, oh regarde en face! Oh mon dieu! What the fuck! C'est la ville futuriste. Mec, il y a des poissons fluorescents en bas. Il y a des méduses. Oh, elle est magnifique. La porte est verrouillée de l'autre côté. Elevator. Oh, c'est là où on va avoir des fraises. Oh, génial! Générateur et cafétéria, ok. Ça va être ça le plus important, le générateur. Oh, ils sont de retour. Méchant. Attends, mais leur queue elle était enroulée comme ça? C'est les rats. Erasmo! Ouais, rapido! T'entends ce rythme diamé, ça fait danser les races, ça! C'est parti! Ah, c'est là, faut les mettre! Une pièce! Terre. Ok! Ah, attends, alors attends, on peut bouger les machins? Allez, Bébou, tu peux le faire! C'est long et ça fait mal aux doigts! On a un plan de tuyau à eau et une note! Culé! La porte est ouverte, c'est en train de tomber en fait! Oh, purée de pommes de terre, c'est en train de se remplir! Oh. Oui! Mais enculé! Là, l'échelle à gauche! On n'y avait pas accès tout à l'heure, parce qu'elle était cassée, maintenant on y a! On peut aller aux plantations là! Plantation, oula! My turn! Oh, les fraises! J'étais sûr. Chope-les, mon gars, chope-les. Des bananes! Let's go! C'est ce que j'allais dire, il nous fallait les fraises et les bananes. Je ne vais pas plus loin, j'ai vu que la lumière était là. Qui dit lumière, dit ville, mon gars. Oh là 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 là! Des robots! Help! Oh, les robots méchants! Oh l'enculé! Démonte-le! Maintenir pour prendre la carte accès de Tangaragagagaga. C'est stylé! Oh, les petits ordinateurs! Oh, c'est mignon! Il y a des jetons de distributeurs sur les machins. C'est bien l'outil qu'il fallait. Attends, je vais le faire. Attends, quoi? Quoi? Bah, il y a des gens qui ont du talent, mais il y en a d'autres non, quoi. Je sais pas, il fait l'étage 14. Attends-moi! Ok, je t'attends.
Fils de pute. Fils de pute. T'es vraiment une grosse chienne. Regarde, en haut, il y a une tyrolienne, je sais pas si on la voit. Ah putain, ouais, qui va sur le bâtiment qui est là-bas. Voilà. Du coup, je pense qu'il faut monter vers ici. Il y a sûrement une porte ici. Okay. Ah, et là, ça ne mène nulle part. Attendez, utilisez l'élévateur dans la zone de plantation. Zone de plantation. Parce que t'étais au bon endroit, hein, c'est juste que le truc est cassé. Du coup, il faut aller à la zone de plantation pour prendre l'élévateur. Mais la zone de plantation, elle est pas sous terre ? L'élévateur dans la zone de plantation, ça se trouve, c'est ça. Hein. Et le ruban, ça serait pour un truc là-bas ? Ok, on retourne sous terre ? Ouais, bah je pense que c'est pas le choix. Attends, ça c'est la zone de plantation du coup. Oui. Ouais. Du coup, ça va, un élévateur ici. Élévateur, oui. Tu le vois ? C'est écrit, il y a un panneau. Ok. Dans cette verre-là. Il est sûrement vers l'autre côté. De l'autre côté. Ah là ! T'as trouvé ? Utiliser trois rubans adhésifs. Ah, bah parfait, on a tout ce qu'il faut. Tu l'as fait ? Oui. Oui, ça s'ouvre. Ok, nickel. C'est bon, regarde, il n'y a plus de courant. Élévateur, let's go ! On va pouvoir accéder à cette putain de tour. Oui, les cafards. Oh, mais attends, il y a un plan ici, mec ! Purificateur électrique ? Non ! Ça sert à quoi ? Ah, pour l'eau ! Peut-être relié à des tuyaux d'eau. Ah, bah c'est l'eau illimitée. C'est eau illimitée maintenant. Ce petit ouou que t'as fait quand t'as pas réussi à parler, genre le. Tu descends en 6ème ? Bah faut aller au 0 avant j'imagine. Ah tu penses que ça va débloquer l'ascenseur ? Il y avait une petite fête d'anniversaire ici apparemment. Quoi, méchant quoi, le rat, quoi. Méchant le rat. Couché ! Tyrolienne qui mène vers... Ok, va te faire voir. Quoi ? Je t'y attends. T'es vexé, Kéké ? Non, ça va. Me voilà rassuré. Oh putain, il est déjà en train de monter l'échelle ! Je t'y attends. Ok, je suis sous tes pieds. J'ai bugué. Non, arrête. Pourquoi arrête ? Je t'en supplie, Kéké. Tu vas au 0 en premier ou... 0, ça sera pour voir de l'intérieur. Ouais. Ferraille, ferraille, plastique. Plan ! Gros stockage ! Excellentissime ! S'utilise pour stocker de gros objets. Mais alors, si Bridge Launch, on le sait. Ah, peut-être que dans notre machin, là. Je pense qu'il aurait fallu le trouver dans la ville, mais. Zéro, ah, peut-être au 0, peut-être au 0. Attends, je vais voir. J'ai trouvé ! C'est quoi ? Comment tu sais ? J'ai random, j'ai piffé ! Attends, mais c'est quoi ce bruit de fou ? Je sais pas, ça a pété, il y a eu une explosion ! En fait, j'ai tapé plein de codes au hasard et j'ai fait. Non, attends, j'ai fait quoi ? 48-13, c'était. Ouais, c'est ça, réussite. C'est la cinquième fois que je brute force un code dans un jeu vidéo en moins de 2 mois. Ça n'a aucun sens. Et bah, tu devrais essayer IRL. Mais ça marche pas, IRL ! J'ai déjà essayé ! Ça a fait péter un truc d'ouvrir le code. Peut-être qu'il faut retourner en bas. Tu penses ? C'est bizarre. Merde. Ah, attends ! Bridge launch. Attends, on a envoyé un pont. Peut-être une porte spéciale qui s'est ouverte. Ouais, il y a un truc là-bas, il y a un truc. Où ça ? Tu vas pas là, à droite ? Oh putain, ouais, t'as raison. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On approche ! Préparez-vous à l'encre ! Maintenant ! Ah, c'est à moi de le faire. Putain, il est où, cul ? J'ai perdu cul ! Attends. Va devoir une gazelle, mais dis pas que c'est cul. Non, c'est cul, c'est. Non, couille du coup, c'est couille que j'ai perdu. Ah, mais couille, il est discret. Couille, c'est un petit peu comme Luffy, tu vois, il veut être libre. Et il a pas envie d'être ramé derrière 4 barreaux. Lui, il a besoin de se promener partout dans le bateau. Ouais. Après, ça me dérangerait pas que couille se promène si ce fils de pute était capable de retrouver son carré d'herbe quand il en sortait. De ouf, en parlant de liberté, je crois qu'il a rejoint Papa Johnny. Non, il est mort ? Je crois qu'il a rejoint. Non, je l'ai trouvé ! Ça y est ! Tu sais que vraiment, la mort de couille, ça aurait été sur ta conscience, hein. Pourquoi ma conscience ? C'était ton job, les animaux. 20 minutes later. Ah, je vais m'en occuper. Ça y est, j'ai compris que c'est ma tâche. Ah bah enfin. Oh putain. Oh, je vais l'enculer. Mec, y a un lama. Il nous faut un carré de terre en plus. Tu vas s'en occuper, ça c'est ton job. Viens ici, fils de pute. Oh, je t'ai chopé, enculé. Bon, on a sexe mou, bite, cucouille. Tu seras clitoris. Voilà, clitoris, les amis. Et on est niveau 3, Sario. Let's go. C'est toi qui a arrêté la machine ? Oui, on est arrivé. Sario, je viens de t'annoncer que nous avons un poste de contrôle. Alors, tu peux me le mettre ici, possiblement ? Genre là. Juste à côté du... Parfait, mec. Et comment on le relie au machin ? Attends, je vais allumer les moteurs, on va faire un test, ok ? Est-ce que ça change leur sens, là ? Oui, il fallait juste activer les moteurs de base. C'est bon, ça marche. Oh putain, mec, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi ? On a plus de biocarburant. J'en ai plus rien à foutre. Et là, c'est quoi nos objectifs concrètement ? Alors là, c'est partir à l'île qui est derrière, qui est à 1500 mètres. Mais là, il va nous falloir du biocarburant si on veut partir. On a du biocarburant dans le game. 20 ans que j'ai mon biocarburant. 20 ans que j'ai mon biocarburant. Et je sais pourtant que le bois sera toujours le favori. Parce que. Attends, c'est une île ? Kéké, il y a de la banquise ! Il y a de la banquise ! Attends, il va falloir naviguer à travers la banquise là ? Je pense qu'il va falloir arrêter le bateau en fait. Oh, mais elle est immense ! Énorme ! Oh, mais mec ! Oh, mais non, mais ! C'est incroyable ! Mec ! Il y a un jet ski ! Il y a un jet ski ! Oh non, je voulais. Vas-y. Oula ! Oula ! Ah ! Kéké ! Quoi ? Il est possible qu'il y ait la glace qui s'est cassée sous mes pieds et que je sois tombé dans une caverne. Ouais, bah tu peux. Attends-moi peut-être, non ? Mais je suis coincé ! Arrête de lire les notes, attends, mais arrête d'avancer. C'est-il gelé grouille d'ours, mais je suis juste au même endroit là. Mes astuces habituelles ne marchaient pas sur lui. Henri et moi, nous aurions fini dans son ventre si un garçon ne l'avait pas effrayé avec une corne de brume. Il s'appelle Deto. Enculé. Il dit qu'il est arrivé avec d'autres survivants. Ok, là il y avait 2-3 notes, il y en a peut-être que j'ai laissé tomber, bah... Par contre, je t'invite à appuyer sur T et à aller voir dans Tempérance, regarde tout ce qu'on a. On a une autruche, une boule, un crochet et une voile. Ok, monte là-haut, tu vas comprendre. Regarde là.
C'est une bite. Un peu. Attends, il y a une note à Henri là. Le bateau est prêt à partir. Deto a toujours sa corne de brume et Ruben arrive au moins à se déplacer. Deto m'a parlé d'un autre endroit très peuplé. Ruben dit Castrite s'y trouve peut-être. Mais du coup, ça sert à quoi en fait ce truc là? Mec! Quoi? Dans ton inventaire! Ah! Première, c'est l'autruche. L'autruche, 1 sur 4. L'autruche, elle est là. Elle a 3, 4, 5 étoiles. 5. Le bateau à voile, on en a 4. 3, 4. Du coup, 5 en premier, 4 à la fin. 5, 9, 6, 4. Let's go! Beaucoup... Le mec il ramasse tout, il me laisse rien. Alors, quel attends. Bâtard. Ah, on a l'encre avancée. Oh, let's go. On peut sortir par là. Et Kéké, petite surprise en bas. Je t'invite à venir. Tu veux conduire? Oui, je veux conduire. Wow. Get Fortnite about to get them. Toi, je te dis ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Non, Kéké, me dit pas que t'es tombé. Non, non. Attends, là, il y a des trucs, du coup. Ouais, là, on peut rentrer. Alors... Je prends les câbles. Ah, j'ai faim, putain. Ah, ça sent mauvais, ici. Ah merde, c'est vraiment radioactif, merde. Je pense qu'il va falloir activer la machine qui est à l'extérieur. Et du coup, en activant cette machine, on ouvre les trappes d'aération. Maman, Victory Royale. Comment ça, tirer le câble? Je peux tirer un câble. Il faut en fait faire le tour en passant par les petits trucs électriques, là. Regarde, je suis en train de tirer, là. Ah, est-ce que c'est pas ce truc-là, par hasard? Dome Sweet Dome. Si, c'est par ça, c'est exactement ça. Ok, nickel. Est-ce qu'il y en a un ici? Tu peux tirer quelque chose? Y'a rien dedans. Ah, mais regarde, c'est allumé quand y'a quelque chose. Y'a un truc. C'est long. Oui, c'est très long. Oh, deux câbles, parfait. Ah, j'ai ouvert le grand truc. Le truc du milieu, le bâtiment du milieu. Et j'ai les distributeurs. C'est que de la cosmétique. Trop naze. Qu'est-ce que c'est que ça? Utilisez le chalumeau. Et la clé qu'on a récupérée tout à l'heure. Waouh! Et oui, les amis, le secret de la fusion nucléaire se trouvait depuis le début sur Raft. Mec, il y a des combinaisons Azmat! Ah, et du coup, c'est avec ça qu'il fallait aller dans le truc tout à l'heure. Ok. Eh oui, effectivement, heureusement qu'on l'a maintenant. Ah, ça pue ici, le Mectro RP. Par contre, il faut qu'on fasse vite, je sais pas si t'as vu, il y a une barre en bas qui se vire. Presse, il y a un code PM. Oh non, c'est les codes Le sodium, c'est le 11Na, le PM, c'est quoi? Putain, PT. Ah, Pokémon Trash. PM. Ok, moi je fais CL, CL c'est 17. Là, RB. C'est quoi, RB t'as dit? Ouais, RB. RB 37, 37. C'est bon, on l'a. Il nous restait 6 secondes, putain de merde. Allez, on descend. Le van. Ça ouvre petit à petit. Oh, enculé! J'arrive! Wesh! Je m'occupe de ça! Occupe-toi de, t'as une machette! Oh, vous savez pas, Leroy! Est-ce que les furets, ça démonte les cafards? Certainement, oui. Mec, la porte est ouverte! Mais je. On a du biocarburant! Enfin, un truc utile! Kiki, il voit un joystick qui fonce dessus, hein! Wesh! Ah, ça fait mal! Ok, fais bouger le miroir. Ah! Petite pute! Kiki? Non, plus vers là, du coup. Kiki. Bref, pas de toucher. Là, touche-moi! C'est bien, t'as réussi! Ah, barre de contrôle, on les a toutes! Allez, et de une, et de deux, et de trois. Et je lance. Barre de contrôle bloquée, insertion manuelle requise. Dans le réacteur? Non, t'es malade. Oh shit, des rats de cafards! Je pivote, Kéké, je pivote! Je te protège, tu touches pas! Tu restes là! Ouah, merci de la protection, Kéké. Pas servi à grand chose. Wouah! C'est vraiment classe, hein? Mais c'est des cryostases! Attends, quelqu'un est en vie là! C'est Shogo! Vous n'êtes pas... Oh, je vois, ils m'ont abandonné, génial. Merci de m'avoir réveillé, la cryogénisation fait des ravages sur le long terme. Auriez-vous un peu de place pour un ingénieur en biologie? Bah on a fini la zone, je crois, et attends, ça n'est pas sûr. Du coup, le prochain live, c'est la dernière île, les frères. Ah, il en reste une? Oui. J'ai pris 3 steaks, je t'en ai dit, c'est 3. Ah, c'est gentil. Je n'ai pas rêvé, cet oiseau a fait un moonwalk. Je pensais... Ok, bon, bisous Michael Jackson. Hein. Il en veut. Ça semble être une île abandonnée, monsieur Sario. Ah oui. Oh, il y a des hyènes. Est-ce que tu viens des fameuses hyènes dont ça parlait? Ouais. Dis-moi après pour stop le bateau. C'est le roi lion. Eh, fuis ces salopes, hein. Oh, la salope, elle me fait trop peur. Oh, le screamer de fou. Ah, elle m'a fait un de ces screamers. T'as vu le screamer? Pourquoi le bateau s'en va? Pourquoi le bateau s'en va? On a pas mis l'encre. Mais je t'ai demandé de la mettre. Mais moi, j'ai arrêté le moteur. Journal de Deto à Utopia. Code de Deto. J'ai mon propre radeau avec de vraies éoliennes. Avec encore plus d'énergie, je pourrais faire tellement d'expériences. Mais maintenant, ce cinglé d'Olof est ici. Voilà, j'en étais sûr. Comment t'as fait? Il y a une map avec où est-ce qu'ils sont cachés. Je sais ce qu'on va trouver à l'intérieur. C'est bon, j'ai 3 fragments. Ok, j'ouvre. Un grand sac à dos. Oh, c'est utile ça maintenant, ça. La fin du jeu, c'est pas mal. Ah ouais, mais on a pas... Ah bah t'as eu le harpon du coup. Oui. Ok, on peut monter en haut. Et t'as compris. Wesh. Let's go. Ah ah, deux clés de l'entrée, on en a qu'une seule. Non mais en fait, ça se passe forcément là où la tyrolienne nous a déposé. C'est possible qu'on ait raté une clé sur un des bâtiments. Sario. Quoi, dis-moi. Regarde le stream. J'ai la pub et je regarde juste sur après. Sur les 12 travaux d'Hercule, Seigneur Marie-Joseph.
On a les clés. Attends-moi. Je t'attends. Attention à son armée de sales bêtes. Pitié, prenez-lui sa clé. Olof, c'était le chef du bateau et tout. Ouais, libérez-nous, libérez Utopia. Du coup, Olof, c'est le boss final. Ou alors, c'est une de ses bestioles, ou c'est lui qui s'est transformé en bestiole. C'est une possibilité. Marteau, il faudra retourner là-bas, du coup. Oh. Les roues dentées. Ah, du coup, faut le marteau. J'arrive. Je ne répéterai pas. Prenez vos radeaux et partez. Utopia est à moi. Tire-lui dessus, Kéké, tire-lui dessus. Si vous refusez, vous signez l'arrêt de mort des éclaireurs. Oh, il a une armure en scénarium. La fameuse. Ah, il y a des roues. Ouh. Et là, je sais pas s'il faut tirer sur la poignée ou pas. Ah bah t'as réussi à le prendre. Ah bah oui. Génial. Parfait, mon pote. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ici? On a pas mal de boîtes, donc j'imagine que c'est pour grimper. Allez. Travail, homme. Je vous ai laissé une chance de partir. Vous refusez d'entendre raison. Très bien, vous avez fait votre choix. Bienvenue à Utopia. Pourquoi refusez-vous? Wesh. Le feu. Ça fait très Dying Light, le méchant. Monsieur l'explosion, s'il vous plaît. J'aimerais sortir. Ok, non. Je sais où faut aller. Dis-moi. Ah, en fait, c'est ce mur-là. Faut l'escalader. Faire un escalier. Mec, ça, on va y être. Ah. Oh, foi. Monte, arrive à monter. Ok, c'est bon, je suis là, ouais. On a un plan. Clé de l'entrepôt. L'entrepôt, c'est ici. Ouais, Kéké, tu peux te mettre en hauteur pour là. Mets-toi en hauteur, Kéké. Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, sérieux. Je le baise. Ah. Vas-y, je m'occupe des caisses. Protège-moi. Alors, je peux te protéger des hyènes, mais pas des. Sale. Ah. Oh, putain, elle emmène dans l'explosion la salope. Ah, wesh, oh la salope. Je suis choqué de ce qu'elle vient de faire. Vas-y, casse, prends la caisse du dessus. Let's go. De toutes les mes créatures, Alpha est le plus grand guerrier. Rien ne l'arrête. Oula. Lâche Leroy. Tu lâches Leroy. C'est bien Alpha, bravo. Il lui a donné de la viande. Je crois qu'il le soigne. On n'a pas la méthode. Il fait mal. Attention, il fonce. Oh le salope, il m'a tué. Putain, il est incroyable. Je pense qu'il y a une mécanique qu'on n'a pas. On va lui faire les un tests. Loup-garou et une hyène prêts à s'affronter. Alors, je te permets, je suis un ours polaire. Mon nom c'est Teduzo et je oh, suis. Oh putain, l'enfoiré. Ouah, le tank ça met. On a moins de portée avec la machette. Là, il faut juste tanker. Elle est invincible pendant qu'elle fait son pattern. Con. Kunyamamao. Ah, mais c'est bon, il est mort, mec. Regarde-moi. Ouga. C'est vraiment la t'es rond le roi lion. Non mais non fais pas ça. Frérot j'ai dit que c'était le scénarium. Ah. Oh bah surpris. C'est pour la clé. Allez. Au lendemain du déluge qui engloutit la civilisation, les survivants avaient tout perdu. Pourtant, ils persévèrent. Les éclaireurs émergent des décombres et partirent affronter les dangers de ce monde inondé. Aujourd'hui, Utopia prospère à nouveau grâce à eux. Ces enculés, ils étaient 6. Ils ont pas réussi à se faire la hyène. Notre perso, il est tout seul. Sa couille et son couteau qu'il a récupéré sur un radeau. Il a déboîté la hyène et tout le troupeau. Eh bah écoute, mec, on a réussi à finir ce putain de jeu. Salut Detto. Personne ne m'écoute jamais, je vais leur montrer. C'est lui, Detto. Le scientifique, machin truc, c'est un gamin. Vous pourrez dire que vous y fûtes dans le best-of, vous pourrez le dire. Thank you.